La grande soirée des Enfoirés sur France 2, dans une quinzaine de minutes, le concert au Zénith, une cinquantaine d'artistes avec en meneuse de revue Muriel Robin, qui est notre invitée. Mais d'abord, place aux images, quelques temps forts de ce spectacle exceptionnel. Effectivement, regardez l'émission, c'est une surprise, Muriel. Voilà, Muriel Robin, bonsoir. Vous êtes la Bonsoir. marraine de cette soirée Oui. et vous êtes meneuse de revue de cette cinquantaine d'artistes, soirée unique, exceptionnelle. Quelle est la marque de fabrique de ce Zénith 98? Écoutez, il y a une marque de fabrique qui est là tous les ans, mais qui est là à chaque fois plus forte. C'est vraiment une soirée magique pour nous, et je suis sûre pour les gens qui vont la regarder. Il y a effectivement une cinquantaine d'artistes, les mêmes, des nouveaux. On a vu qu'Antonin et Mireille Mathieu, enfin, je ne veux pas, il faut les découvrir. Je crois vraiment, moi, quand j'y vais, en tout cas, on attend tous, nous, les artistes, cette soirée avec impatience. Je crois, je le ressens en tout cas quand on l'a fait, les artistes viennent avec le meilleur d'eux-mêmes, laissent le reste au vestiaire. Il y a quelque chose qui se passe qui est absolument unique. Il faut regarder cette émission. Il faut la regarder parce que vous ferez partie d'une chaîne de solidarité qui commence par les gens, évidemment, qui ont besoin des Restos du Cœur, qui passent, en tout cas pour ce soir, par nous. Il faut la regarder parce que ça donnera envie d'acheter les vidéos et que ça reviendra en repas. L'année dernière, cette soirée, en tout cas, les vidéos ont engrangé 18 millions de francs. C'est beaucoup de repas. C'est 10% du budget total de l'association Les Restos du Cœur. Voilà. Et en quoi l'esprit de Coluche est toujours présent dans cette manifestation, qui est ce soir en tout cas un immense divertissement? Écoutez, si on doit mettre un nom sur l'esprit de Coluche, je n'y ai pas pensé, mais il est question d'humanité, de solidarité, de cœur. Ce sont les Restos du Cœur. Et comme je vous le disais, les gens à ce moment-là laissent parler cette chose-là, mettre ça devant. Voilà, il faut aller, on va, comment dire, c'est vraiment quelque chose de, mais vraiment, j'en ai encore l'émotion parce que c'est vraiment quelque chose de fort qui se passe et qui va aller jusqu'aux gens, j'en suis sûre. C'est un moment vraiment unique. On vous sent très militante. Pour ça, je veux bien l'être. Ce n'est pas ma nature, mais pour ça, oui. Alors, important. Sans dévoiler toute la soirée, quand même quelques moments forts, quelques surprises. Au-delà des moments forts, je dirais que cette année, on s'améliore d'année en année. On a toujours peur. Moi, je me dis toujours comment la prochaine ne va pas être aussi bonne. L'année dernière, j'avais un souvenir formidable. C'est encore au-dessus cette année, parce qu'on a fait une mise en scène. Les artistes sont en costume. Alors, ça permet de voir. Tout d'un coup, ils s'oublient, ils sont en costume, donc ils jouent un peu la comédie. Cabrel devient un gagman et un garçon très drôle. Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et on a effectivement des gens nouveaux. D'un décor, et les artistes reviennent plus souvent tout au long de l'émission, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a vus, on les revoit au cours de l'émission. Il y a des moments de comédie donc qui sont très drôles, et voilà, ça fait une soirée encore une fois unique, forte, qu'il faut regarder pour un moment de solidarité, bien sûr, et de bonheur, j'en suis sûre aussi. Vous allez nous surprendre vous-même? Je l'espère. En quoi? Vous m'avez déjà vu en mariée avec un truc à plumes, donc mariée un peu bizarre, mais la soirée va surprendre parce qu'elle est vraiment différente. Je vous remercie, Muriel Robin, et je crois qu'on aura compris votre message. Merci.